Mégalodon. Roi de la justice, G2. But. Inazuma Japon 0, Big Waves 1. Dans cette poule de qualification Océanie-Asie, la sélection japonaise Inazuma Japon est pour l'instant en mauvaise posture. Elle est menée par l'équipe australienne, les Big Waves, 1-0. Il faut battre les Big Waves! Ils nous ont mis ce but avec une facilité déconcertante. Le sélectionneur Trevis nous l'avait bien dit qu'ils étaient dangereux. Le niveau de cette équipe est incroyable. Voilà ce qui arrive quand on a trop confiance en soi. Nous étions entraînés ensemble, nous aurions pu éviter cette erreur. Pourquoi le sélectionneur nous a-t-il interdit de nous entraîner? C'est génial! Oh. Rendez-vous compte, nous avons la chance de jouer contre des adversaires aussi bons! C'est drôle, il réagit toujours comme ça quand on se fait battre au cours d'un match. Je sais, son esprit combatif a besoin de cette stimulation, ça le rend plus fort. Hé les gars, rien n'est joué, la partie vient de commencer! On va rattraper notre retard. Maintenant, il faut marquer. Ouais. Les Inazuma Japon se remettront vite de ce coup dur. Allez, les garçons, il faut que vous marquiez. Courage, Marc, on est avec vous, les garçons. Allez, les gars, on fait le bloc défensif. Et c'est reparti. Les Big Waves ressortent une de leurs principales super techniques, le redoutable bloc défensif. Ah. Oh! Même Axel Blaze ne peut rien faire contre cette muraille humaine! Oh. Attention! Les Inazuma Japon semblent dépassés par le contre australien! Hamilton frappe au but! Mais Mark Evans était là pour arrêter le ballon d'un superbe plongeon! Vous êtes prêts pour le bloc défensif? Décidément, le bloc défensif est invincible. N'y aurait-il aucun moyen de le franchir? Les Big Waves attaquent sans relâche. Et les Inazuma Japon n'ont pas d'autre choix que de défendre. Que pouvons-nous faire? Vous n'avez toujours pas compris? Hein? La clé pour vous sortir de cette cage est en vous. La clé de la cage? Mais de quoi parle-t-il? Aucune idée. La clé de la cage? Oh! Les Big Waves refont le bloc défensif. Et cette fois, c'est Jude Sharp qui est prise au piège. Oh. Où que j'aille, il y a toujours deux joueurs qui m'empêchent de passer. C'est comme si j'étais enfermé dans une cage. La clé pour vous sortir de cette cage est en vous. Oh. Comment est-ce possible? Comment? Quelle maîtrise de la part de Jude Sharp! Alors qu'il est totalement cerné dans l'espace réduit du bloc défensif, il réussit à conserver la balle! Viens, Jude! Hein? Attaquez-le! Prenez-lui le ballon! L'entraînement dans ma chambre! Oui. Mais prenez-lui le ballon, bon sang! Ah. Maintenant!
C'est impossible. Le bloc défensif a cédé. Sharp, le meneur de jeu des Inazuma Japon, est parvenu à s'échapper brillamment de cette prison humaine. Bravo, Jude, tu t'en es tiré. Voilà pourquoi il nous a empêchés de nous entraîner et qu'il nous a enfermés dans nos chambres. C'était pour nous habituer à cette technique afin que nous nous en sortions plus facilement lors du match. Faites pas les malins, vous avez eu de la chance sur ce coup-là. Bloc défensif. Chester Horse, senior. Une nouvelle fois le bloc défensif des Big Waves. Vous deux commencez à vous échauffer. Oui, à vous. Mais ils ont déjoué le bloc défensif. Pourquoi les fait-il sortir? Shaun Frost part à l'assaut du but australien. Grande barrière de corail. Tempête de feu. Grande barrière de corail. Ciel. Gene Wallon, le gardien des Big Waves, a intercepté tour à tour les tirs de Blaze et Frost sans le moindre problème. Quand ça veut pas, ça veut pas, c'est tout. C'est au tour de David Waterman de mener l'attaque. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il met volontairement la balle en touche afin de permettre à son équipe d'effectuer un changement de joueur. Deux remplaçants s'apprêtent à entrer en jeu. Un défenseur et un milieu de terrain. Il est seul. On dirait bien qu'ils ont renoncé à leur bloc défensif. Pierre Tombeau. Tiens, après l'échec du bloc défensif, les Big Waves ont décidé de passer aux super techniques défensives individuelles. C'est ça le jeu de niveau mondial. Ils ont la puissance, la rapidité et la faculté d'adapter facilement leur tactique de jeu. Je vais vous dire, c'est pas gagné. L'entraîneur l'avait prévu. C'est pour ça qu'il nous a demandé de nous échauffer. Frappe, kangourou ! C'est quoi cette technique ? Je crois bien que ces joueurs ont quelque chose de plus que ceux qu'ils remplacent. Il n'y a pas besoin de porter des lunettes pour le voir. Inazuma Japon 0, Big Waves 1. Impossible de marquer! La partie est au point mort! Nous devons absolument renverser la situation en seconde mi-temps. Sharp reste à terre après le coup violent qu'il a reçu! Ça va, Jude? Oh, Jude, non! Donne-moi ta main. Ça va aller, t'en fais pas. Et c'est le coup de sifflet de la mi-temps. Le score est de 1 à 0 pour les Big Waves. Les Inazuma Japon arriveront-ils à revenir au score? La seconde période nous le dira. Ah, impossible, il ne peut pas continuer. Calme-toi, tout va bien, je n'ai rien du tout. Je sais très bien ce que tu ressens, Jude. Mais fais pas l'idiot, s'il te plaît. Je vais bien. Jude, je vais te remplacer. Bien. Bon, tu vas remplacer Jude. Prépare-toi, Austin. Hein? Oui, monsieur Travis. Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider l'équipe à gagner. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Voilà ce que vous allez faire en seconde mi-temps. Shaun, ne monte pas plus haut que le milieu de terrain et je compte sur toi pour intercepter leurs attaques. Compris? Compris. Austin, tu reprends le poste de Jude. Charge-toi de porter le jeu beaucoup plus haut. Vous êtes bien sûr de vouloir me faire occuper un poste aussi important, coach? Oui, tu peux le faire, Austin. D'accord. Bien, te tracasse pas, mon pote. On sera derrière toi si jamais t'as besoin d'un petit coup de main, d'accord? Et pour finir, Hurley. Hein? Oh, ne me dites pas que vous voulez que je sorte! Je sais que tu as abandonné le stage de préparation pour aller t'entraîner sur la plage en dépit des ordres que j'avais donnés. Vous le saviez. Nous sommes à quelques secondes du coup d'envoi de la deuxième mi-temps.
Percy Trevis, le sélectionneur de l'équipe japonaise, a décidé de remplacer Jude Sharp par Austin Hopes. C'est la première participation de ce joueur au tournoi Frontière International. Personne ne l'a encore vu jouer. C'est fichu! À quoi bon? On a perdu! Mais qu'est-ce que tu racontes? Il nous reste encore une mi-temps entière pour les battre. Hurley, je veux que tu marques avec la super technique que tu as développée. Hein? Une nouvelle super technique? Comment vous êtes au courant? Mais c'est qu'elle est loin d'être au point, coach. Tu sais, Hurley, si elle n'est pas au point, c'est parce qu'elle n'est pas encore bien définie dans ta tête. C'est à toi de découvrir quel type de super technique il te faut pour atteindre leur filet. Hein? La clé est là, sur le terrain. Ça ne dépend que de toi et de personne d'autre. Allez, Hurley. Hein? Va leur montrer que la mer t'appartient. Oui! Mais où est cette clé? Hurley, debout, la partie va recommencer! Et c'est parti pour la seconde mi-temps sur le score de 1 à 0 pour les Big Waves. Les Inazuma Japon pourront-ils rattraper leur retard? Hops, qui vient d'entrer sur le terrain, est déjà sollicité en défense. Superbe combinaison des Australiens! Oh, Hops reprend le ballon grâce à une magnifique aile de pigeon. Ce garçon paraît très prometteur. Ouais, bien joué, Austin. Tu vois, je te l'avais bien dit qu'il y avait encore de l'espoir. Le jeu d'Austin a renversé la situation en notre faveur. Le sélectionneur a pu déceler son potentiel en quelques minutes et il a su le faire entrer dans la partie au bon moment. C'est impressionnant. Mais où peut être cette satanée clé? Je ne la trouve pas. Austin Hobbs passe le ballon à Axel Blaze. Tempête de feu! Grande barrière de corail! Quel arrêt du gardien des Big Waves! C'est incroyable! Gene Wallon a réussi à barrer la route à la tempête de feu d'Axel Blaze! Alors, d'après le coach, la clé serait sur le terrain. Bon. Pourtant, je ne vois aucune vague ni rien qui y ressemble. La seconde mi-temps est tout aussi bloquée que la fin de la première. Aucune des deux équipes ne semble capable de marquer. Les garçons. Mais enfin! Grande barrière de corail! J'ai trouvé. C'est parti! Austin, ici! Et maintenant, tu vas voir! Grande barrière de corail! Rien ne peut franchir ma grande barrière de corail. Les Big Waves reprennent les choses en main. La situation est identique à celle de la première mi-temps, lorsqu'ils ont marqué leur but. Mégalodon! Maintenant, je connais cette technique. Non, Mark Evans ferme le trou. Point de la justice, j'ai froid. Il l'a arrêté. Cette fois, Mark Evans a réussi à repousser le mégalodon. Il est là. L'entraînement dans ma chambre. Il m'a bien servi. Aucune vague ne peut me résister. Grande barrière de corail. Je vais lui montrer que la mer m'appartient. Comment? Mais cette rotation...
Cette technique s'appellera le typhon. Inazuma Japon 1, Big Waves égalise avec la nouvelle super technique de Hurley Kane. Bravo, tu as réussi, Hurley. Ouais, j'ai marqué. Le sélectionneur a su voir le talent de Hurley. Coach, si nous avons pu faire tomber la défense des Australiens, c'est bien grâce à vous, grâce à votre entraînement et à votre tactique. Je n'ai vraiment pas l'impression que vous êtes un entraîneur qui puisse nuire à son équipe. Mais alors, coach, que s'est-il passé avec le collège Cherry Bloom? Peu importe, tu n'as pas besoin de le savoir. Oh, mais coach... Attends. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a une dizaine d'années de cela... Le collège Cherry Bloom était sur le point de jouer son dernier match de qualification pour le tournoi Football Frontier. Mais la veille de ce match, les joueurs de l'équipe se sont battus avec les joueurs de la meilleure équipe du moment. Et il y a eu un blessé parmi ces derniers. La meilleure équipe du moment? Vous voulez parler de... Exactement, de la Royal Academy. D'ailleurs, Ray Dark est certainement à l'origine de cette bagarre. Si l'incident avait été rendu public, l'équipe Cherry Bloom aurait subi de lourdes sanctions et ses joueurs n'auraient très certainement plus eu d'endroit où jouer au football. Ainsi, Percival Trevis décida d'endosser la responsabilité de cet événement et quitta son équipe. Et à cause de cela, on lui retira sa licence d'entraîneur. Les années ont passé et la sanction a fini par être levée. Quand il récupéra sa licence, je lui ai demandé de s'occuper de la sélection japonaise. Vous savez pourquoi ? Parce que malgré ce qui lui est arrivé, sa passion pour le football ne s'est jamais démentie. Il n'a jamais cessé d'étudier. Et il a acquis une merveilleuse capacité de management, ce dont je crois cette équipe a besoin. Le sélectionneur australien a décidé de remplacer Fischer par un milieu de terrain. Quelle tactique de jeu vont-ils adopter maintenant? Nous ne tarderons pas à le savoir. Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Hurley Kane subit un marquage très serré. Apparemment, Robert, le sélectionneur australien, veut empêcher Kane de marquer un nouveau but. Nous Inazuma Japon 1, Big Waves 1. Malgré leur récente égalisation, les Japonais sont actuellement incapables d'attaquer. Sache que personne sur cette terre ne peut me passer, tu m'entends? Eh ben, je trouve ça fort dommage. Comment? Malgré les obstacles, tout bon footballeur qui se respecte doit aller droit au but. Bye. Hurley! Empêchez-nous de tirer! À toi! Chacun des Inazuma Japon est marqué de très près par un joueur australien. Il n'y a pas un joueur de libre. Jack Waldside n'a personne à qui passer la balle. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, les gars? Garde le ballon jusqu'au bout. Toi, t'aurais pas dû faire ça! Woolside est parvenu à reprendre le dessus sur son adversaire. Bravo, tu l'as eu, c'est bien joué, Jack! Cette équipe a besoin d'une défense mobile, pas de joueurs qui restent plantés au même endroit. Ça y est, j'ai compris maintenant. Ce que le coach voulait dire, c'est que je dois être capable de monter quand c'est nécessaire. Ensuite, à toi! Hop, c'est débarrassé des joueurs qui le marquaient. Après avoir évité le tacle de snapper, Austin Hobbs se retrouve maintenant en position de frappe. Axel! Mais il choisit de faire une passe à Axel Blaze. Celle-là, ce sera tourbillon de feu. Inazuma Japon, Big Waves 1. En innovant une super technique, les Inazuma Japon prennent la tête au tableau d'affichage. Et c'est le coup de sifflet final. Le match est terminé. Les Inazuma Japon sortent vainqueurs de ce match de qualification. On a gagné! Au travail, félicitations. Percy Trevis pourrait bien nous emmener jusqu'au titre mondial. Cette équipe vaut vraiment le coup. Mais attention, il leur reste encore beaucoup d'équipes à affronter et pas des plus faciles. Austin. Hein? Axel, bravo pour ton but. Oh. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi n'as-tu pas tiré quand tu en avais l'occasion? De là où tu étais, tu aurais pu marquer.
Tu sais, j'avais peu de temps pour réfléchir. J'ai estimé que tu étais beaucoup mieux placé que moi pour frapper au but. Excuse-moi si je t'ai déçu, Axel. Notre prochain adversaire est le Qatar. Les lions du désert. Allez les amis, il faut nous entraîner. Mais Austin, ne me dis pas que tu vas encore quitter l'entraînement en avance. Rendez-vous au prochain épisode, les lions du désert, des guerriers impétueux. Ça, c'est du sport.